France, États-Unis, Angleterre, Bafandi Kimia Maolo Bate, Touro, Togo Kota, Rwanda na Makolo, Togo Kota, Rwanda na Makolo, I à tout à fait na Musa, tu vas à Tukatalia, bah à Tukatalia, tu nous es bundu, bah à Tukatalia, tu vas y être, I Touro, à tout à fait na Musa, tu connais Rwanda, ina tu chokoza sana, tu na katala, inchietu, abata igabula. Itietu abata igabula itabakia tu Kongo inabakia moya aita gabulikana. Njobe nitafuta sema ile. President lisema jana kama l'heure est déjà sonné. Tu Kongole tutakuwa debout juu tuseme, juu tukatale non à la balkanisation. Kisi nani Patrice Emery Lumumba lisemaka non à la balkanisation. Mwana Mboka encore bonjour Mwana Mboka. Bonjour. Mwana Mboka siko mwana siko silika mingi mingi lobi non à la balkanisation Mwana Mboka. Balkanisation écoute avec Mwana Mboka. Papa, plaisir est simple. Ozo mwana tema kama baza ko sala za bien te. Neni Rwanda iso attaquer biso baso ko koloba ngo te na Nations Unies. France fandi kimia, Angleterre fandi kimia. Chose grave. Secrétaire général ya nini ya ONU. Azolo bake bango bazala mindu kite ya kokundisa M23 a déclaré ngo bazala compétent touro yo to boy batika biso place tout au kokende yo za la soki irisi soki wapi soki mabo soki ma soki bitu nini masase zate to kokota Rwanda makolo na makolo to kobeta ata mabanga to kokende biso to na wese to kokende kuna. Papa. C'est le droit collectif, non? C'est gagné. Hein? C'est le droit collectif. Donc aujourd'hui, on doit vraiment demander la paix. Hein? Nous devons parler pour demander la paix. L'eau de la paix. L'eau de la paix, nous voulons la paix ici. Réception. Ça va, ok, c'est bon. On n'a pas donné cette réception. Donc, c'est la réception. C'était bien.
Un peu, regardez un peu. Regardez. Voilà. Ok. Bon, les jeunes, les passent à la bon, moi, je vais pas quitter l'exception. Qu'est-ce que justifie votre présence au Palais du Peuple en cette journée commémorative, dite journée de la paix? Monsieur le journaliste, comme vous le savez, aujourd'hui, le 21 septembre, et le monde entier célèbre la journée internationale de la paix. Nous avons débuté depuis le 15 septembre, la semaine passée, et nous étions ici sur place au Palais du Peuple. C'était la rentrée parlementaire. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour déposer notre mémorandum pour que nous puissions donner par écrit tout ce que nous avons besoin, tout ce qui nous tracasse, demander la paix à nos parlementaires. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour déposer le mémorandum que nous avons écrit et signé ensemble. Est-ce que vous êtes sûr que votre les problèmes que vous avez posés, ça sera résolu? Est-ce que vous êtes sûr? Nous sommes sûrs parce que ce sont eux qui nous représentent. Ils sont les représentants de la population, du peuple que nous sommes. Nous avons demandé la paix pour Bunagana. Nous avons demandé la paix pour Ituri. Nous avons demandé la paix dans toute l'étendue de la République. Et au Kwamutu, aujourd'hui, comme c'est la journée internationale de la paix, nous avons foi que les parlementaires sont en train de travailler. Ils vont lire et nous avons foi que le président de la République va vraiment lire notre mémorandum et il va nous donner une réponse favorable, lui qui est le garant de la nation et qui nous promet la paix et qui se bat du jour le jour pour que cette paix soit visible, pour que les Congolais puissent être dans la paix. Ça, c'est la lutte que le président de la République, que je cite le nom, président Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci madame. Merci. Madame Ningala. Pardon, mais par rapport aux forces au FARDC, qu'est-ce que vous exigez? Par rapport aux forces armées de la République, nous exigeons que le gouvernement puisse soutenir, augmenter, parce que l'autre fois, ils étaient là pour parler du budget. Du budget par rapport à la session budgétaire. Alors aujourd'hui, nous sommes venus pour que le président de la République, avec le gouvernement, le parlementaire, qui puisse regarder, parce que augmenter les budgets du côté de FARDC, du côté logistique, pour qu'elle puisse avoir de quoi au fait faire cette guerre. Parce que notre armée, elle est forte, elle est capable, et par eux, nous pouvons vaincre le terroriste. Alors, comme nous avons confiance, nous sommes là en tant que de femmes, de jeunes, de femmes de militaires, de hommes. Nous sommes là pour dire courage au FARDC. Avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, nous allons vaincre et la paix va régner et le militaire sera à la hauteur. Merci beaucoup, madame Benny. Moi, je suis là, madame Benny. 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 Awa, tozo loba makamboya. Journée internationale, il y a paix, il y a kimia. Oyo tozo célébré yango, to célébré yango lelo. Lelo ezali mokolo oyo mokili mobimba, bazo loba makambo ya kimia. Biso pe ba Congolais toye, poto loba, toye ko déposer mémorandum na biso na palais du peuple. To bandaka le 15 septembre, semaine passée, et lelo toye ko déposer mémorandum na biso, oyo toye bi ke bien ba kotanga yango pe ba kopesa pe yano.
toko sepela tozo loba lisusu na memorandum na biso lelo tozo senga et que par rapport ya session budgétaire au basala qui semaine passée baye bakota la likambo ya ko soutenir FARDC ya ko pesa bango ba équipement au bazana bango na yango besoin toye awa ba papa ba mama ba jeune basi ya ba soda toye ko senga kimia na Bunagana na Ituri na Kwamutu parce que toyebi ke congolais nyonso il faut ezala na kimia parce que ezal droit na ye on a ben yo suko mwana mapo na bibo komi ron skilling mwana mboka bayimbo ka musuka yeta baby mo anglais te elingo lobani bani ba rwande o to banani madame beni awa to to lati ba bilamba o ba komi rwande skilling le rwanda nous tue rwanda bazo bo mabiso eza ko loba ke to ye ko denoncer ango ta to zo loba loba ango te to lata kasi ango na bilamba e monana e yokana na sima na ngai ba komi lisusu na FARDC. Oui, ton moni, madame Béni. Une manière, y'a qu'on l'a qui saqué, tous ensemble, na FARDC, tous en abango et longo. Nous avons dit que parce que c'est un homme fort. A lobby, à sa papa, à sa batte la Congo, à sa bunda pour la Congo, à quoi négocier dans mon gounate, parce que yé, à sa na lupango na yé, à sa bunda. Yango tozo encourager papa Félix Tshisekedi, koloba papa, toza simanayo, toyebi que toko longa, osa capable. Yango wana toko na yo, osa la président. Merci beaucoup. C'est trop, merci. Bonjour maman. Bonjour. Ton monde bon marché, tu n'as marché d'ailleurs, maman n'a gagné. C'est Manaki Swahili, je vais quoi tout basiquer. Ah, c'est ma Swahili. Ah oui. Je vais quoi tout basiquer. Oui.
Ah, vraiment, j'ai difficulté de parler swahili. Mais maintenant, je suis venu pour lancer la baïmbo, pour battre le partenaire pour lancer le swahili. Bonjour maman Nangaï. Hey. Nous sommes direct sur Congo Live Télévision. Maman Nangaï, si Nani a marché à l'élo au marché du Bosso ambassade à Ouganda, mon Amboka. Nous sommes le frère avec les Ougandais. Ouganda, basa ma complice na ba Rwandais. Basa ma complice. Bomoni, bunaka na bolo ba kawana. Esa na frontière entre Bosso na Rwanda. Bazo pesa bango passage bale kana frontière ya Chanika ba kota na Rwanda na Uganda mpoka ya ko atake biso c'est dire ba ko bazo na di Rwanda za hypocrite eh Uganda za hypocrite Uganda za hypocrite. Merci beaucoup. Nous sommes ici sur l'ambassade de Uganda kana wozomona donc. Oui, merci beaucoup, Madame la journaliste et Messieurs les journalistes. Nous sommes ici, nous venons du Palais du Peuple. C'est à l'occasion de la Journée internationale de la femme, à l'occasion de la Journée internationale de la paix. Hein. C'est pourquoi nous, la Dynamique nationale pour l'unité, la paix et la sécurité, qui est une plateforme composée de plusieurs réseaux et associations de droits de l'homme et de consolidation de la paix, les droits qui protègent les associations qui protègent les droits des femmes et les droits de l'homme en général, la consolidation de la paix. Nous avons commencé notre sit-in depuis le 15, le jour de la rentrée parlementaire au Palais du Peuple. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'aller encore au niveau du Parlement pour demander la paix, puisqu'aujourd'hui c'est la Journée internationale de la paix, demander à ce que les parlements puissent exiger la libération de Bunagana et des environs. Maintenant, tout de suite là, nous sommes à l'ambassade de l'Ouganda. Pourquoi l'ambassade de l'Ouganda? Nous lui demandons aussi la paix. La paix et demandons au président Yoweri Museveni d'éviter de faciliter les passages des forces armées rwandaises par ses frontières pour arriver à Bunagana. Vous savez que Bunagana est occupée aujourd'hui, mais la RDC n'est pas frontalier avec le Rwanda. Bunagana est frontalier avec l'Ouganda. C'est pour dire que c'est l'Ouganda qui facilite l'ennemi. L'Ouganda facilite les forces rwandaises à passer par l'Ouganda pour attaquer Bunagana. Et quand on attaque Bunagana, c'est toute la RDC, c'est la porte d'entrée pour attaquer Rutshuru, le Nord Kivu, les partout là, l'Ituri. Donc Bunagana, c'est la porte d'entrée. Comment l'Ouganda, un pays voisin, qui sont nos frères, puisque ce sont des voisins, qui sont censés être nos frères et protéger, nous protéger et protéger nos frères, laissent passer les forces ennemies pour passer par leurs frontières et entrer en RDC. C'est pourquoi nous sommes ici, pour dire non, nous ne voulons plus cette complicité de l'Ouganda avec les forces rwandaises.
Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la paix. Nous demandons la paix. Imaginez-vous, nous demandons aussi la protection du droit des réfugiés. La protection des réfugiés. Il y a le droit international qui protège les réfugiés. Et nous sommes ici à l'ambassade de l'Ouganda pour demander de protéger, de savoir qu'il y a le droit international qui protège les réfugiés, qui a chassé les peuples, les réfugiés dans les camps congolais, dans les camps, dans leurs camps, qui les a chassés et qui a même facilité, qui a brûlé même les camps des réfugiés. Alors que sur le plan international, nous, il doit savoir l'Ouganda qu'il a le devoir et l'obligation de protéger les réfugiés. Ici encore, nous venons rappeler à l'Ouganda qu'il a signé l'accord cadre d'Addis Abeba. Et dans cet accord cadre, on demande à ce que les pays ne puissent pas faciliter l'agression. Il doit aussi, l'Ouganda est signataire de l'accord cadre d'Addis Abeba, il doit respecter cet accord d'Addis Abeba, puisque c'est un accord qui protège les pays de la région. Et donc, nous sommes ici pas pour rien, c'est pour la Journée internationale de la paix, et nous demandons à l'Ouganda notre voix, nous exigeons la libération de Bounagana immédiate et les environs. La libération immédiate de Bounagana et la non-facilitation des passages de l'ennemi en RDC en passant par l'Ouganda. Voilà pourquoi nous sommes ici. Merci beaucoup, Maman Nangamu. Bon, oyebi to na Uganda puisque lelo eza journée internationale ya kimia. Mokili mobimba ezo fêté, ezo commémorer journée internationale ya kimia lelo le 21 septembre. Yango ba mama, ba papa, ba jeune, ba tunyoso lelo baza mobilisé. Poto senga kimia na mboka na biso. Ce qui est tenu en boca moko na biso et simbami donc Congo mobimba. Alors problème est aux ango na Uganda. Mingi mingi aba polo tolobi Rwanda is killing. Mais Uganda ambassade ya Uganda to sengi bango batika ko faciliter passage. Bazo ko di sa munguna à partir de la frontière na bango. Donc ba Rwandais, ba forces armées rwandaises, hein, et côté li Bounagana, oeza cité à RDC, Nanzela et à Ouganda. Puisque RDC, na Bounagana, toza na frontière moko na Rwanda te. Bounagana eza na frontière na Ouganda. Bongo nengeni ni Monguna, ale kabango, akende kwa atake Bounagana, ba jeune, tala 100 jours yango lelo vraiment. Bande konabiso ya Bounagana bazo pe mate baba donc baza vraiment en danger bazo boma bango ba réfugié baza wana yango to ebisi ambassade ya Uganda botika complicité wana to sengi libération ya Bounagana. Merci beaucoup maman na mtuna suka za libo to suka na chef de l'état mokolo ya lobby asiko ko za discours asagi discours na table ya Nations Unies ni bosa mesa asiko ko marteler sur agression sala na kata Rwanda. Est-ce que vous en avez confié chef de l'état que ça va faire quelque chose na kata Bounagana? Mais papa bongo to za na confiance à chef de l'état ndenge nini te mais wana nde gara ya nation wana nde premier protecteur ya nation na biso papa ya bana ye wana. Aussi, on mona papa bossa na bana na ye. Biso to sepeli na discours ya mokonzi na biso to soutenir ye penza yango kutu lelo to profiter na journée oyo to lo baketo ya ko marteler to marteler pe na discours ya chef de l'état to ya ko yebisa bato bazo tungisa mboka na ye bazo tungisa peuple na ye ke batika buzo ba po toza sima na ye. To lingi kimia lelo journée internationale de la paix to lobi ke tozo soutenir président Nabiso na makambonyo so lobby na ma, hein? Na ba FRDC puisque toza na ba FRDC makasi baza makasi mais to se doit singapé ba ko ki sape un musolo po ba soda Nabiso ba FRDC ba bunda penza ba benga na banguna wana mais lelo tozo singa keno Bounagana za la libérer environ tozo singa pe na pe webi kwa mutu pe. Tobosani pe kwa mutu. Bakungo pe bandi. Vraiment lelo tozo senga mboka na RDC. Este tal
na ndenge tozotelenga na batu ayi ekoma lisusu kwa mutu ekoma lisusu ba Congo vraiment komone la biso yango toya walelo Uganda yo mutozo faciliter mungu monguna a côté la biso toboyi complicité wana eleki tobi pe kaza na ba defe na ekuna asolola na bango ame mabango na Uganda merci beaucoup mwana ngai akanga penze la ba kota lisusu Chef de l'État a dit que les Congolais se prennent en charge. Est-ce qu'il peut qu'on se prenne en charge pour bien que les Congolais ne soient pas en prendre en charge, c'est facile. C'est difficile, mais c'est facile. C'est facile. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Charger Rwanda. Je suis bien train de charger Kagame. Merci beaucoup, Mme. Nous sommes en train de faire un peu de temps.
Libéré. Bonjour. L'objectif de votre présence ici. Ah, vous voyez, nous sommes venus à l'ambassade du Rwanda parce que trop, c'est trop. Depuis plus de 20 ans que le Rwanda agresse notre pays. Nous, les Congolais, nous sommes un peuple très accueillant. Nous savons vivre avec les gens. Mais nous en avons marre que le Rwanda vraiment se moque de nous, un petit pays qui vient agresser le grand Congo. Alors nous venons passer le message que ça arrive jusque chez Kagame, que les Congolais, tous, en ont marre. Nous ne demandons que la paix. La paix, la paix, la paix. Et c'est ainsi que nous avons choisi la journée internationale de la paix pour venir lui passer le message. Nous voulons que Bunagana et ses environs soient libérés. Nous voulons que Ituri soit libéré. Beni Lubero, ça doit être libéré. Nous voulons la paix. Kwamout, Bakongo, partout où ils sèment les désordres, nous voulons qu'ils soient libérés, qu'on nous laisse la paix. Nous ne demandons que ça. Donc nous demandons à Kagame de nous laisser la paix. C'est ça notre message. Merci. Bonjour, Mme Boka. Bonjour, papa. Mme Boka, bonjour, sur le discours à chef de l'État, pourquoi l'homme n'a pas la tribune de la société, Mme Boka. En tout cas, vous avez vraiment satisfait le discours à Mme Boka. Sentir que vous avez vraiment commandant suprême. Vous avez mis le Rwandais, le bateau. Le Rwandais n'est pas soutenu M23. M23, à cause de ma casse, il y a un autre sang, rapport et armée conventionnelle. Est-ce que vous êtes sûr que le discours chef de l'État est comporté un peu quand il y a un terrible qui a arrivé? Tu as dit que nous avons opéré dans mon lit. Mais ce qui est le bélaïs, c'est-à-dire qu'il va dévoiler et comporter fruit. C'est-à-dire que le chef de l'État a dit place au yo, pour qu'il m'a mis au caca. Bonjour Excellence. Oui, bonjour Monsieur le Juge. Excellence, c'est ce qu'on a discuté chef de l'État lobby na tribune des Nations Unies, ainsi qu'au côté de la Rwanda Makame, que Rwanda n'est mutu agressera RDC Mwanambo. Bonjour aussi comme on a discuté chef de l'État. Absolument, Makame lobby, au chef de l'État lobby, ça Makame au monde entier lobaka. À cause de l'été, et ça Makame au monde entier lobaka, au bisogno surtout lobaka, au Kabila les pères à lobayango, parce que même nous nous place à Zali à lobaka yango, et bisogno tout lobaka yango. D'ailleurs, moi je félicite chef de l'État. La bravoure cette fois-ci na niveau ya ONU ya lobby yango. Voilà pourquoi nous demandons au chef de l'État que donner l'ordre comme l'ont fait Kabila les pères à ces temps-là. OK, bon, peuple congolais, voix flèche, voix Likonga, munduki tokento kota Rwanda, tout le Rwanda. Donc c'est-à-dire la guerre est déjà déclarée normalement. Alors nous comme peuple congolais, au bazar de ça, Botikara ou Melabisang Masanga, c'est le moment pour le Congo. Alors il faut envahir le Rwanda. Le Rwanda n'a aucune compétence pour saisir le Congo pendant presque 3 mois dans Bunaganda. Voilà pourquoi nous demandons, le cadre de la nouveau Congo, tout Congolais, le moment est venu, debout Congolais, pour aller envahir le Rwanda. Et donc la guerre est déjà déclarée. Antonio Guterres, c'est ce que le baquet, RDC dans le pifoté, par RDC dans le pifoté, il y a un côté qui n'a pas été réponse du Congo. Allo, Vinini? RDC dans ma casse, il y a un côté qui n'a pas été M23. Non, il y a une complicité au niveau de la communauté internationale. Et il y a un peu de temps, mais cette fois-ci, le peuple congolais, c'est l'autodéfense.
d'autres déterminations qu'on a mon canaille, t'aurais prouvé vraiment le contraire. RDC a taraki bango, mais le col à l'élo chef au hasard en place en limite et zabongo. Alors nous sommes mieux placés que tout le monde au Bounana Rwanda et j'espère qu'on va se remettre le Rwanda. Natale l'installation la NT, mais c'est une ça fait mal qu'un petit rien du tout comme le Rwanda à ça quoi agresser et à demander bisou à côté à obtenir Congo à vie Congo. C'est une bancanation, ce dont on parle, c'est ça. Est-ce que vous assurez une femme de Sazala Mando qui était? Est-ce que vous faire face à la rébelle, mon amour? Mando qui est allé, tout le monde a réussi. La Russie a des armes. Tout le monde américain, soi-disant Nations Unies, va primer le bisou Mindouk. Mais la Russie est là. Et voilà pourquoi nous interpellons les chefs de l'État. D'ailleurs, il est déjà ça, ça nous donne d'amour. Tout le monde a mis Mindouk dans Russie. Tous les exemples, il y a Centrafrique. Tous les exemples, il y a Malien. Vous voyez, même Cameroun actuellement. Il y a d'autres pays émergents, d'autres pays souverains qui commencent à conclure des contrats et des politiques et militaires avec la Russie. La Russie, c'est la voie royale actuellement. Voilà pourquoi nous appelons les peuples et les gouvernements. Bazo et loco et solo que tout qui est de tout gagner, tout votre la Rwanda, tout en votre province, comme l'a dit Moïse, nous l'aurons déjà fait Kabila à cette époque-là. Donc nous sommes tellement fâchés que le chef nous a donné déjà un aval. Bino Bato Melarama Sangatan a dit ça, ça comme nous. C'est le moment, la patrie. Rwanda. Nous on ne peut pas se prononcer parce que le Rwanda nous a agressé. Nous maintenant, toke Bunaganda, ma précipice Mindouk, n'a peuple, n'a nous surtout, tokoti Bunaganda, toke ki Rwanda, toko misi Rwanda, province et à Congo. C'est ce que nous demandons. C'est comme Anini. Est-ce que tu peux répéter ce que vous venez de dire? Quand on lobby, chef de l'État, avec toute la souveraineté du pays, donnons-nous des moyens, comme l'ont dit Kabila le Père. Kabila qui a pris ma flèche, ma mêlée, tout à Rwanda, et tout comme ta Rwanda, on a quartier. Et la province que tu es à la roi, quartier dans la carte de la Congo. Et nous, dans le Congo, nous sommes mieux placés. Si l'autorité a une décision, nous l'avons fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup.